Jodi an, nou pral rentre dan la parol, nou pa prete long. Sependan, nap jan nou abitue fè la, plonge dan l'enseyman, sachan ke bon Dieu toujou fè provision, e nap prete trez attentif a tout provision ke li fè pou nou ankon fwa souè. Map evite ouvri bibou ansanm avèk mwen dan le livre de Marc. Nou pral li yon passage kou konè trè byen. Se au chapitre 4, verset 35, jusqu'au verset 41. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41, c'est là nous allons lire parole Seigneur. Marc 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand vent, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer, parole du Seigneur. » Bien-aimé, Assoya, parole, le Seigneur m'était sous cœur pour me partager avec vous. Si on parole, ou probablement qu'on est, mais j'aimerais mettre au lit, il part sans importance de temps en temps pour gagner quelques rappels sous ça la parole de Dieu enseigné. Et ça me l'est dit, ou sous tablier toute l'autre bagaille, moi, va partager avec vous. Cet esprit, mon Dieu, mettez sous cœur pour me partager avec vous. Pas oublier parole, ça. Tempête, yo toujours obéi. Voix mettre là. Tempête, yo toujours obéi. Voix mettre là. Si peut-être, ou au beau milieu d'une tempête, dans un moment, n'a pas l'air là. Si on fait face à de vent de l'âme qui levé dans vie ou sous une forme ou bien sous une autre, ou pas connaît comment pour gérer, au beau milieu de cette tempête, tant de voix mettre la cap d'où. Jusqu'à présent, tempête a toujours obéi à voile. Jean Doulan, c'est une parole ou a gagné pour aller avec lui à soya. Et si d'aventure tu as gagné au monde, dans entourage ou dans famille, yon zami, yon connaissance, yon collègue de travail qui t'a fait face à une situation difficile. Eh bien, moi, encourage-o, partagez parole ça avec lui. Dis, tempête, yon toujours obéi, voix mettre là. Yon toujours fait silence, le palé. Très probablement, c'est pas yon collègue ou gagné, c'est peut-être ou même qui n'ont situation. Le Seigneur voulait encourage-o à soya. Livre encourageant, livre rete ferme dans assurance. Livre connaît que pas grand rien qui échappé à contrôle. Livre connaît côté yéan, côté volonté le menon là, mais pas trop coûte pour le retirer. Mais pas trop coûte pour le protéger. Mais pas trop coûte pour le conduire sorti côté yéan. Texte ça c'est un texte où autant d'empile méditation sous lit. Assure-moi de vouloir juste, selon ça l'esprit bon Dieu mettait sous cœur moi, réfléchis sous quelques points. Et point ça yo, c'est peut-être de rappel y a pied pour vous, pour qu'on ait bon Dieu qui contrôle la vous en tant que chrétien. En tant que monde qui rentrait dans la nouvelle naissance, en tant que monde qui a marché avec le Seigneur. Tempête yo a vini dans la vie en tant que chrétien. Vie en tant que chrétien, c'est une alternance, moment de calmie avec moment de tempête. Mais au beau milieu de la tempête, mon Dieu, il est là. Texte, c'est un texte bien aimé qui fait suite
à un ensemble d'enseignements que le Seigneur t'a bâti disciple. Il t'a enseigné yo sous causé qui gagne pour ouais avec la foi. Le m'appli première partie dans chapitre 4 là, moi ouais une série de paraboles. Moi ouais une série de conversations le Seigneur gagne à disciple et avec de full moon côté la paléo sous la foi. La paléo comment royaume bon Dieu fonctionnait et comment l'important moun qui voulait rentrer dans royaume non pour yo exercer foi yo même gens ou exercer yon muscle même gens leur aller dans yon salle de sport ou fait exercice pour développer yon partie dans corps ou et bien ça me comprendre dans passage ça yo. Le Seigneur a enseigné full moun yo pour yo exercer la foi yo. Cette foi qui fait yo gagner assurance dans bon Dieu que lui-même est capable de faire toute bagaille. Et donc dans premier moment chapitre 4 là, le m'gade texte là bien, c'est une série d'enseignements sur la foi et dans verset 35 là, ou gagne impression le Seigneur après tout enseignement le fin bay dans journée an. On y a ces temps d'application, ces temps pour lui ouais, est-ce que enseignement t'a baillé, est-ce que effectivement yo tombé dans bon terrain, c'est le test, c'est le examen qui arrivait, et on a l'impression ça qui passait dans verset 35 jusqu'au verset 41, c'est pas un bagage qui fait au hasard, c'est pas un bagage qui fait accidentellement. C'est même genre un professeur dans une classe, il fait une série de temps à enseigner l'élève. Gagnon temps, c'est le temps de l'examen. Et bien, j'ai l'impression que c'est exactement même bagaille qui a passé dans le texte là. Quand le Seigneur fin enseigner full mounio et notamment disciple, il prend yo, il dit yo, en nous passer de l'autre côté. Et cependant, Christ m'a dit passer de l'autre côté. Pendant yo obéi complètement à volonté Seigneur pour yo passer et c'est le ça tempête l'en pral lever. Donc premier bagage m'ta rien comprendre. Te gagne un temps d'enseignement. Qu'on y a ces temps d'application. Te gon temps d'exposer. Qu'on y a son temps d'examen. Te gon temps pour professeur te apprendre nous sort doit connait. Qu'on y a ces temps test. Disciple, t'es joint moment enseignement, yo t'après le fait face à moment test là et maintenant dit yo en passer de l'autre côté. Et pendant yo passer de l'autre côté, le m'a continué à examiner texte là dit gain un gros tourbillon qui levait sous de l'eau. Tourbillon tellement fort, l'âme yo commencé à rentrer dans bac là. Au point que dans yon badge bac là étant rempli avec de l'eau. En d'autres termes, ça m'a comprendre dans texte bien-aimé. L'âme yo tellement fort, yo pas seulement secoué quand notre là, yo rentré en dedans quand notre là. Très souvent circonstances yo dans la vie nous, yo pas frappé nous de l'extérieur seulement. Yo pas gain répercussion sur la vie nous. Matériellement seulement. Des fois, yo konvini, yo frappe nous intérieurement. Yo frappe nous dans assurance que nous te gagné. Yo frappe nous dans certitude que nous te gagné dans notre Seigneur. C'est là yo rentré. Si c'était seulement de yo backland de l'eau enterrée, très probablement disciple yo pas t'ap gagné autant de peur. Si yo te wè l'âme yo t'a bouleversé, mais malgré l'âme yo bouleversé, yo te wè quand notre langue était ferme, glo pa de jambe rentrer la donne. Très probablement, yo pa t'a paniqué, jan yo te paniqué yon. Problème nan c'est que glo an te agité de l'extérieur, mais même glo sa arrivé entrer en dan bak lan. Lo a fait face à une situation et que bagalan li pénétré ou li rentre dans toutes conditions yo réuni pour céder dans panique. Toutes conditions yo réuni, c'est parce que tout simplement ou pas gagner un lieu pour cacher encore, ou pas gagner confort encore parce que sûreté intérieure ou t'es gagné mais bien-aimé dans le Seigneur,
sûreté ça li censé aller. C'est le ça où vin pi vulnérable. C'est le ça où sentou pi en danger. Donc c'est une expérience qu'on ça disciple t'a vive. Mais ou très probablement qu'on elle déjà toute expérience ça y a vive alors que texte l'en dit nous yo fait exactement ça le Seigneur t'a mandé yo fait. C'est pas de monde qui allait faire affaire pa yo qui trouvait une situation à cause de mauvais choix yo fait. C'est pas de monde qui non situation de tempête à cause de désobéissance yo. Non. C'est le monde qui a vivre une situation qui menaçait la vie yo alors même que yo t'ai obéi à la voix du maître. Ça c'est fondamental pour nous comprendre dans texte non. Christ dit yo passer à l'autre bord yo fait exactement ça le mandé yo faire. Troisième bagaille m'ta remé attirer attention sur lui dans texte ça qu'on connaît très bien. Ton enseignement fini, Christ connaît tempête l'en pral rivé. Christ connaît tempête l'en pral rivé parce que Jean Dolan ou gen impression c'est une autre étape dans marche là. Te gen une étape enseignement, qu'on y a une étape examen. En réalité, pas gen moun qui remet tempête dans la vie yo. Commencer sous moi, fini sous ou, aller sous une autre peut-être, pas gen moun qui remet gros tempête. Nous tous nous remet pour vivre nous calme. Nous tous nous remet pour bagaille ta aller gens nous voulez là. Nous ta remet pour famille nous c'est accalmer sur toute la ligne. Pas gen moun ki remet tourbillon dans vie yo. Pas gen moun ki remet mauvaise nouvelle, mauvaise surprise. Personne pas remet. Malheureusement, yon nan enseignement fondamental le Seigneur te vle montrer disciples, j'en m'a comprendre dans texte mais bien-aimé dans le Seigneur. Et enseignement ça li pour nous toujours dit gon niveau besoin yé, gen yon maîtrise ou besoin gen, gon assimilation ou besoin gen, ou pa jam gen sou pa passé de période de tempête. Moi konnen ça me dit en li fort, encore une fois parce que pa gen moun ki remet tempête, mais tempête yo des fois, c'est yo même qui enseigne beaucoup plus que si ou te seulement à apprendre nan bouche. Gen on niveau ou vinn gagner, gon maîtrise ou vinn gagner, gon situation qui pral fò grandir, c'est au beau milieu de la tempête pour grandir. Et le map li texte là, le map comprendre l'esprit texte là. Ou gen impression c'est exactement ça qui a passé disciple là. Ou gen impression yo pa jamb comprendre profondeur niveau de foi Christ a enseigné roi tant que yo pa au pied du mur. Proverbe l'a dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Alors, on a l'impression, c'est dans ce sens sa texte en pralé, mes bien-aimés. Le Seigneur te connaît tempête en pral levé, puisque lui c'est bon Dieu. Lui anticipait, lui connaît, mais lui te vle pour disciples retrouver eux-mêmes au beau milieu de la tempête. Bah, qu'on est si gen en monde, encore une fois, captant des méditations, ça. Qui au beau milieu de la tempête. Laissez-moi dire, sœur, frère, le Seigneur connaît koto yé. Le Seigneur connaît son wap traversé. Son pa ka di moun nan. Son pa ka expliqué. Le Seigneur connaît. Et li connaît koto yé. Pa bliye sa m'te dit au départ. Volonté bon Dieu pa jamais nan yon côté ou mel pa ka prends soin. La parole de Dieu enseigne-nous, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, dans sa grâce, sa miséricorde, ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Koto ya, bon Dieu, qu'on a là, ou n'en plan malgré les tempêtes, ou n'en plan malgré paroi en haut ou paroi en bas, ou n'en plan malgré prière, yo semblé sans effet. Ou prier pour bagay ça longtemps. Ou gen impression c'est empiré la empiré. Tande voix Seigneur a kap dou. Ou nan plan. Fais moi confiance. Le map li texte non, n'a pas avancé la donne. L'autre bagay moi réaliser texte à enseigner. Non seulement le Seigneur t'est vle pour disciple faire face à tempête là. Li te vle deux tempêtes là yo apprendre yon bagay.
L'homme continue le texte là. Texte là dit, dans verset 40 là, le Seigneur le levait, lui menaçait vent, lui parlait à la mer, et puis il prend l'adresse ses disciples, il prend le dire, pour qui ça nous peur comme ça? Comment faire nous pas la foi comme ça? Ça m'a comprendre, c'est que bon Dieu, le Seigneur a passé et fait disciples, ouais, ça, c'est pas tempête là qui problème nous. Situation extérieure là, c'est pas l'équipe grave là. Ça qui vient comme vent, c'est pas l'équipe grave. C'est ça qui a passé en dedans nous. J'ai l'impression le Seigneur a dit yo, nous t'es dans la tempête là tout, mais au beau milieu de la tempête, moi-même moi t'as dormi. Nous t'es dans même tempête avec nous. Vent yo t'es levé. Non, même bac moyen avec nous pour moi tout. Différence qui gagne, c'est ça qui en donne nous pour nous surveiller. Remarquez que le Seigneur, pour parler à disciples, lui demandait tempête l'en fait silence. Parce que lui pral adresser un problème qui est plus important que problème tempête l'en. En attendant, on a l'impression, lui parle à tempête l'en, mais c'est beaucoup plus gros problème dans ça. Il dit tempête l'en fait silence. Parce que il était toujours connaît, il a fait tempête l'en fait silence. Seulement, il était voulu éprouver ou pour le connaître qui boit ou y est dans le foyer. Le map comprend le texte en mes bien-aimés. Ou gain impression, Seigneur, dit disciple. Tempête l'en lit là, me connaît là. Mais ça me voulait adresser la kounia, c'est état d'esprit nous. Ça qui a passé dans le cœur nous. Côté nous y est. Comment faire moi-même moi qu'à dormir? Et nous-mêmes nous pas qu'à dormir. Ces situations ça me voulait adresser. Tempête là dans lui-même c'est pas les plus graves. C'est réaction nous par rapport à tempête là. Je m'applique texte en bien, j'ai l'impression c'est ça qui a passé. C'est comme si Seigneur a dit yo, est-ce que nous avons qui différence qui gagne? Est-ce que nous avons dans qui position nous t'arrêmer nous y est? Nous t'arrêmer nous dans position le tempête yo levé pour même gens moi-même, moi faire papa confiance. Au beau milieu de la tempête, m'a dormi paisiblement. C'est l'âme t'a remenouillé tout. C'est l'âme t'a remenouillé. Parce que m'pap toujours calmer tempête là. Si m'calmer tempête là, c'est pour m'kaba nou enseignement sa kounya. Tempête yo a vini, mais dans tempête yo m'ta remen jan mye par rapport à bon Dieu papa. Jan m'fèl confiance pour m'dormi que posé a. M'ta remen c'est là nou vini tout, petit mwen yo. Nous t'arrêmes au beau milieu de tempête yo. Nous gain paix intérieure ça. Nous t'arrêmes le vent yo soufflé sous la vie nous pour nous pas jamais perdre assurance que papa nous gain contrôle tout bagaille. Le m'appli texte en bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'impression c'est ça. C'est ça Christ a dit yo. Oh combien il est difficile. Oh combien il est difficile. Le vent frappé à droite à gauche. Si quand notre l'an a ballotté dans deux côtés, de l'eau commence à entrer en dedans, oh combien il est difficile pour nous rester calme. Mais oui, il est difficile pour nous dormir paisiblement. Combien dans nous là, si m'ta ouvri l'ing, nan m'ta mandé. Combien dans nous qui pas dormi la nuit, on baga bouleverser nous. Oh oui, il est difficile, la tempête yo souffle comme ça. Il est très difficile, il n'y a pas besoin de faire semblant. Le Seigneur connaît les difficiles. Oui, les difficiles. Mais challenge l'on l'irrité intact, mes bien-aimés. L'attend nous là. L'attend nous dans assurance ça que papa nous li gen contrôle tempête yo. L'attend nous dans assurance que nous mettre dormi tranquille là. L'attend nous dans certitude. Nous pas besoin peur ya. Encore une fois, bam insister sur lui pour me dire, il pas facile. Il pas facile. Bon, j'en vent vini. Il pas seulement vini avant. Des fois, grêle accompagné vent. Comme si grêle n'en pas suffi. Gros la pluie vini avec. Comme si la pluie n'en pas suffi. Il dégage yon chaleur en plus. Tout bagay yon ka vini yon sous l'autre. Yon enchaîné avec l'autre.
certainement li pa fasil pou rete kalm nan tempèt sa yo. Men tande byen vwa Seigneur kap di ou se la lap tan nou. Tande byen vwa Seigneur kap di ou jan m fè papa konfyans, m dormi nan tempèt la. Mwen invite ou fèm konfyans, m gen kontrol. Et comme preuve, li bay disip yo ke l gen kontrol bien-aimé, li pral pale avec vent. Et mwen men teks an son teks extraordinaire. Ap invite ou lòk ontan replonje la dan. Teks lan di, m lèm gade nan verset, bon m gade nan ki verset, nan verset 39, teks lan di, li menase vent. Sa pa jan mette pe lò pou konpran ki jan de menase kris fè vent. Koman l menase vent? Premye bagay, si m tap pran teks lan literalman, trè souvan nou pa fè sa, nou traverse nan interpretasyon, nou traverse nan sens symbolik. Men premye bagay pou nou tap kesyone teks lan se gade, men ki sa sa vle di? Koman l menase vent? Danye fwa m te cheke, vent pa gen zorey. Ki langaj li pala avan menm? Koman men, ki sa l di van? Koman l menase lan? Li petèt di van, sou ap bat kò kon sa, ou pa jom ka soufle ankò? Ki jan de menase menm li fè van? E pi l di lan men a, ou menm, fè silans. Fè men bouchou. Koman fè men bouchou an? Se pou moun la pale a la men. C'est-à-dire, si m'ap interroge texte nan literalman, sa m'pal nan interpretasyon symbolik yo, sa ta dwe emerveye. Ki kalite zorey lan me a genye? Au point que disip yo pral di un peu plus bas nan texte lan, bien aimé. Mais ki es moun sa ye li mem? Ou mem van ak lan me obeil? Donc, disip yo nan doub emerveyman. Yo nan emerveyman que l'an mè a obéi d'abord. C'est émerveillement pam nan. Comment l'an mè a obéi an? A ki zorey? Comment le fait tendre? Et c'est là où on comprend la suprématie de notre Seigneur sur les forces de la nature. Quelle que soit force qui déchaînait contre nous, hein? Quelle que soit force supra qui t'a vini pour engloutir nous, bien-aimé. Pas gen force qui pi gros nèg que bon Dieu n'a servi, hein? Pa gen autorité ki genyen puissance passé. Nou peut-être pa konnen comment yo fait tande, mais nou gon garantie c'est que yo tande les mettre la parler avec yo. C'était premier émerveillement disciple, même la mer oui obéit nom nan. Et deuxième émerveillement c'est pour yo dit tête yo mais si même la mer obéit nom ça qui nom lié même, qui moun lié? Bien-aimé, n'y pas besoin de connaître nature tempête là. Parce que le map lit texte encore une fois, on vient comprendre que tempête là dans lui-même li yon bagay secondaire. On vient comprendre que si Jésus te ka dormi dans tempête là, Jean t'a dormi, hein, c'est parce que tempête n'a pas gain valeur ça que moi-même avec ou que disciple te bali ya. Et c'est là tout challenge lan yé pour moi-même avec vous. C'est là toute difficulté en yé. Comment nous ka retirer yeux nous sous tempête là? Comment nous ka retirer focus nous sous vent et retrouver cette paix intérieure qui nous vient de notre sauveur? Comment nous ka fait ça? C'est prière ça m'a invité au fait ou même qui au beau milieu de la tempête dit Seigneur. M'pa konnen, peut-être que ou gon baga ou vle enseigner m nan tempête là. Tempête là agité le fol gros nèg, m'pa ganyen m'ka fè moi-même. Si c'est volonté pour mon beau milieu de la tempête, m'ap mande s'il te plaît, ban moi calme nan tempête là, ban la paix nan tempête là. Cette paix intérieure. M'pa nécessairement mande pour faire tempête là faire silence parce que peut-être gen leçon pour m'apprendre toujours. Mais pas quitter tempête là retirer sommeil moi Seigneur. Pas quitter vent la pliant retirer la joie moi Seigneur. Pas quitter tempête là Seigneur fait me perdre sens présence dans la vie. Et moi assurance bien-aimé.
le Seigneur attend des prières et la répond. Il menace les vents pour le faire silence. Il parle à la mer et tout le bagage vient calme. Je finis pour me dire, la vie en tant que chrétien, il n'y a pas de jambes, une surface calme. Tout le bagage est toujours bien. Il y a un moment de gros vent. Il y a un moment de gros larmes. Mais qu'on ait un bagage. Souvent, c'est dans le moment ça y est, grâce bon Dieu manifestée de façon spéciale. Pas vous et jeter le moment ça y est, comme si vous n'avez pas de bon du tout, même, vous n'avez pas rien qui est bon là-dedans. Vous êtes dur. Je ne suis pas dur, parce que je connais de moments tempête. Et pendant ma parole à volant là, moi au beau milieu d'une tempête. Mais laissez-moi dire yon bagay. Tempête yo gen en pile, bagay ki bon là dans yo tout. Et c'est dans moment tempête yo. C'est dans moment tempête yo mes bien-aimés dans le Seigneur, souvent grâce bon Dieu manifestée dans vie nous de façon très très spéciale. Bien-aimés, tempête yo a vini, y a toujours là, mais pas oublier. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Seigneur, merci pour grâce. Merci parce que vous toujours bien contrôle la vie. Nous même mon pour yo. Le vent yo soufflé, les gros lames yo, les gros de l'eau yo vini pour yo rempli bac nous pour yo faire nous faire naufrage. Nous vous merci de ce que Seigneur nous a gain assurance, qu'on gain contrôle toute bagaille. Ou apprendre nous une leçon fondamentale. En tant qu'homme, ou t'es au beau milieu de la tempête, dans relation avec bon Dieu Papa, ou t'es qu'à dormir dans la tempête là. Et j'en ai compris, nous parler avec nous à soi, Seigneur, c'est là où apprendre nous. Ou voulez nous gagner confiance, qui permettent que nous arrêtions calme. Même Jean parole ou dit, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, pour nous arrêter calme pendant nous combattre. Eh bien, Seigneur, nous tendez, soutenez foi nous, pour nous appliquer. Montrez-nous, Seigneur Dieu, la voie. Montrez-nous comment pour nous rester calme dans la tempête. Pour nous pas garder vague nous-mêmes. Mais pour Dieu nous rester fixés sur nous-mêmes, qui gagne contrôle vague, qui gagne contrôle vent. Merci pour grâce. Merci pour présence encore parmi nous, soyons. Seigneur, maintenant, nous avons touché spécial pour frères, semnant, qui n'ont un moment difficile. Manifestez grâce aux gens, faites ou toujours faites dans la vie, et que toute la gloire te revienne. Au nom et par les mérites de Jésus ton Fils, et même qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Soyez bien bénis, bien-aimés.